Bonjour, docteur Lang. Bonjour. Alors, vous êtes praticien hospitalier, allergologue et spécialiste du sommeil et de la respiration au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry. Alors, le printemps, c'est l'arrivée du beau temps, mais aussi des allergies. Alors, quelles sont les principales allergies des patients? On peut être allergique à beaucoup de choses, mais celles qu'on observe le plus sont les allergies respiratoires. Ce sont celles qui arrivent en tête des allergies, avec notamment le pollen de bouleau, le pollen de graminée qu'on connaît. Et ensuite, on a tout le groupe des allergies alimentaires. Il y a également des allergies médicamenteuses et, de manière un petit peu plus rare, des allergies aux venins d'hyménoptères, donc les guêpes et les abeilles notamment. Le pollen, ça touche beaucoup de personnes sur la population. Ça représente combien de personnes, justement? Le pollen touche beaucoup la population. On va parler de pollinose pour tout ce qui concerne les maladies liées au pollen. On estime que 10 à 20% de la population présenterait une rhinite pollinique et une pollinose d'une manière globale, on estime à 20% environ. Après, des asthmes allergiques, ça représente à peu près 10% de la population, mais ces chiffres sont donnés d'une manière générale, puisque ça évolue selon les régions, puisqu'il y a des régions qui sont parfois plus touchées par certains pollens, comme par exemple l'ambroisie dans la région lyonnaise, ou les pollens de cyprès dans le sud de la France. Chez nous, on a beaucoup de pollens de bouleau, par exemple. Et à quel stade sommes-nous dans la saison des allergies? Actuellement, dans le bassin chambérien, nous, on est en pleine saison des pollens de bouleau, qui sont quand même très présents dans la région. La saison pollinique du bouleau, elle s'étend de mars à avril jusqu'à à peu près début mai. Après, ça dépend aussi beaucoup de la météo. Et puis, on a le pollen de frêne qui sont en décroissance. Ça débute vers février-mars, et là on est plutôt vers la fin de cette saison-là. Et ensuite, après les pollens de bouleau, viendront les pollens de graminée. J'imagine qu'il faut choisir le bon moment pour sortir. Quelles précautions faut-il prendre? L'idéal du traitement, ça reste l'éviction totale de l'allergène. Mais bon, l'éviction des pollens, c'est impossible. Donc il faut plutôt éviter la surexposition. On va essayer d'éviter de déjeuner en plein air. On va éviter de sortir en journée si on peut l'éviter. On va éviter de faire de l'activité physique en journée. On privilégiera les moments le matin ou le soir pour aérer la maison, ouvrir les fenêtres. Quand on conduit, on essaie plutôt de conduire les vitres fermées. Il faut bien vérifier les filtres à pollen aussi de la voiture. Quand on rentre du travail, il va falloir, chez les personnes qui sont allergiques ou qui ont dans leur foyer une personne allergique au pollen dont c'est la saison, on leur préconisera d'enlever les vêtements en arrivant, de prendre une douche assez rapidement pour éliminer les pollens qu'ils peuvent avoir notamment dans les cheveux. Et aussi, ce qu'on peut préconiser, c'est en pleine saison d'éviter de faire sécher le linge dehors pour éviter l'accumulation de pollen, notamment au drap de lit. Et de manière générale, quels sont les gestes à adopter quand on rentre chez soi après une sortie? Quand c'est possible, enlever ses vêtements à l'entrée de la maison pour éviter qu'ils contaminent le reste du logement et puis se laver les cheveux pour éviter d'en mettre le plus possible pareil dans le logement. Le but est d'éliminer le pollen le plus précocement possible et d'éviter sa dissémination dans le logement. Alors vous, de votre côté, à l'hôpital, comment se déroulent les consultations avec tout ce qui est mis en place avec le coronavirus? Vous devez faire des visioconférences, ce genre de choses. Comment garder le contact avec vos patients? Alors, pendant toute la période aiguë du coronavirus, on a beaucoup pratiqué de consultations téléphoniques, notamment les personnes qui venaient pour des premières fois en allergologie afin de faire le point sur leur histoire clinique, savoir quelle saisonnalité, concernant les pollens notamment, quelle saisonnalité il y avait à leur gène, quel gène ils pouvaient ressentir. Alors, on ne peut pas pratiquer de tests cutanés allergologiques à ce moment-là, mais je dirais que d'une manière générale, ce n'est pas au moment de la saison pollinique qu'on va pratiquer les tests allergologiques,
puisque les gens ont leur traitement symptomatique et notamment antihistaminique qui négative nos tests. Donc on privilégie plutôt des tests allergologiques en dehors des saisons d'exposition aux allergènes et d'une manière là plus générale sur nos consultations à l'hôpital. Alors on a gardé quelques rendez-vous de consultation, notamment les rappels de désensibilisation concernant les venins d'hyménoptères, puisque c'est un traitement au long cours, avec des rappels de désensibilisation toutes les 4 à 6 semaines. Et donc on peut difficilement annuler complètement toutes ces injections. Et après, des patients qui ont des pathologies allergiques sévères, comme des asthmes mal contrôlés, on en a gardé quelques-uns qu'il fallait justement équilibrer et revoir, puisqu'il pouvait avoir des symptômes un petit peu déséquilibrés en cette période allergique. Comment distinguer les symptômes d'une éventuelle allergie et ceux du Covid-19? Alors, les symptômes sont quand même assez différents de ceux du Covid. Déjà, dans la rhinoconjonctivite, la polynose, on ne retrouve pas de fièvre, pas de courbature. Alors, on a des symptômes qui peuvent mimé comme une obstruction nasale, un prurit nasal, des signes de conjonctivite, mais en général, ces symptômes concordent bien avec l'arrivée de la saison des pollens, et puis ces symptômes, tout simplement, sont corrigés dans l'immense majorité des cas par les antihistaminiques, et à ce jour, je crois pas que les antihistaminiques soient efficaces sur le Covid. Pour ceux qui sont atteints par exemple du coronavirus et qui ont aussi en parallèle des allergies, est-ce qu'ils peuvent prendre leurs médicaments anti-allergie sans problème, sans risque supplémentaire? Bien sûr, il faut pas du tout arrêter les traitements. Il faut continuer les traitements de fond, qu'ils soient anti-allergiques ou anti-asthmatiques. On a des traitements qui ont été décriés comme les corticoïdes, les anti-inflammatoires. Alors, les corticoïdes inhalés ne doivent surtout pas être suspendus chez les patients qui sont asthmatiques, au risque là de déséquilibrer un asthme et justement de faire plus de mal que de bien. Et pareil, en cas de crise d'asthme importante, une cure de corticoïdes oraux de quelques jours peut tout à fait être envisagée si elle est recommandée par le médecin traitant ou par le pneumologue traitant, sachant que dans tous les cas, l'automédication, il faut l'éviter, mais que ce soit avec ou sans Covid. Et vous, de votre côté, comment ça se passe, votre quotidien à l'hôpital? Vous avez vu la situation s'améliorer de semaine en semaine? On voit la situation qui commence à s'améliorer progressivement depuis la mi-avril, avec des consultations qui reprennent et surtout aux urgences. On voit que les patients étiquetés non-Covid deviennent plus importants que les patients étiquetés Covid. De même, dans les services de médecine et de réanimation, on voit les volumes d'hospitalisation qui sont en nette baisse. J'imagine que vous devez échanger aussi avec vos confrères. Comment se porte leur morale? Plutôt bon, plutôt bon. J'ai beaucoup de collègues pneumologues, puisque moi je dépends du service de pneumologie. Et là, ils voient les choses d'un bon œil en voyant que le nombre de patients diminue de jour en jour, hein. Et puis, on n'a pas été dans une région qui a été aussi sévèrement touchée que l'Alsace ou l'Île-de-France. Donc, non, non, le moral est bon. Eh bien, merci, docteur Philippe Planck, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.